Qui était un brut sans année simple, mais à l'époque, le champagne pouvait se garder longtemps. Il l'a ouvert, doré dans le verre. On parlait un peu des petites notes d'encre de tout à l'heure. Il y avait de la bulle, mais sur la bulle, elle se perd un peu avec le temps. Mais le champagne, il avait des goûts un peu de fruits confits. C'était délicat, doux. J'avais 16 ans, c'est important de boire un vin un peu doux quand on est jeune. Le palais, on se le fait autour de ces arômes-là. Le caramel un peu doux, comment on appelle, le calisson en français, des choses délicieuses. Et la pâte d'amande, voilà. C'était un peu tout ça, un peu juste ce qu'il fallait de bulles, une couleur magnifique. Et c'est resté gravé dans ma mémoire. Et puis après, voilà, après il y a eu d'autres rencontres, d'autres émotions. Des beaux moments qui sont marqués par le vin, des moments d'amitié, d'amour. Hein. Parce que le vin, c'est aussi l'amour, les bulles. C'est pas pour rien que c'est le vin des amours, le champagne, mais le vin de la fête aussi. Et puis les vins rouges, parce que ça accompagne des repas. Et puis chacun y met. Moi, j'aime bien cette idée de l'offrande. Ici, ça se fait beaucoup en France. Les gens viennent avec une bouteille. Et souvent, on la boit. On a un peu, c'est pas grave, tant pis, souvent les gens, c'est moins formel, vous amenez vos bouteilles, on va la boire. Il y a des endroits où ça se fait pas, vous l'offrez, les gens vont la mettre de côté. Non, ici on va la boire, c'est l'offrande, c'est le partage en fait. Voilà. C'est une émotion, un moment, un plat, un vin, un mets, des amis, des bons sentiments, des fois pas trop de vin hein, quand même, parce qu'on peut mal finir.